C'est quoi cette histoire de détective privé là, Ivy Brooks? Bah elle fait sa pub. Non mais c'est, elle est détective privée de quoi? C'est une putain de camé. Bah ouais, mais elle sert à rien. On fait quoi encore ici du coup? Attendez, j'ai peut-être une idée. Vous savez là, Ivy Brooks là? Ouais. Je suis sûr qu'on peut lui proposer une petite somme d'argent et elle s'occupe d'embarquer le shérif quelque part. Ouais, et si elle se fait choper? Bah on s'en branle. Et si elle balance? Bah ouais, et si elle balance? Voilà. Mais elle nous balancera pas. Si on la contacte en anonyme, réfléchissez, elle a mis un tweet. On dit qu'on l'a contactée en voyant le tweet. On y va en anonyme masqué. On lui propose ça pour 30 000 balles. Tu parles de la détective là, la con. La pseudo-détective à la con. Mais vu que c'est une camé, elle a rien à perdre. Ça peut être très intéressant. Elle peut le faire. Ah, c'est elle. Hein. Ouais. C'est la shootée. Ouais. Bah, lui parlons en anonyme, non, mais ça pourrait mettre sur les aiguilles le shérif. Bah, je sais pas, écoutez, réfléchissez à ça, mais je trouve monsieur, que ça monsieur, peut monsieur, être monsieur, essayez de te rapprocher d'elle avant. Monsieur, arrêtez la conversation, parce que. Il y a un monsieur jusque-là qu'on a du mal à voir, il a tout entendu. Moi, je vois pas. Ah, non. Oui, bah, justement. Bon, je sais pas ce qu'il lui fait, parlé, à bref, mais il le mais... laisse pas sortir, on voyait pas. Tu vois, il fallait plisser les yeux, tu vois. Oui, bah, donc il a rien entendu. Putain, qu'est-ce que t'as pété? Vous avez besoin de moi, pas encore? Ouais. Sinon, non, j'ai pas besoin de toi. Tu restes là de ton côté? Bah, j'ai. Ouais, faut que je vois le shérif par rapport à l'histoire d'hier des véhicules. Ok, là. Vas-y, viens, on prend un véhicule, on se casse. Bah, je vais directement, je cherche ma tenue et hop. Ouais. Le putain d'honneur. On va sur la route pour appeler toi. Ouais, bien pris. Cobalt, je t'ai envoyé par Jonathan. Ouais, j'ai reçu, merci. Ouais. T'en penses quoi de ce que je t'ai proposé? Qu'est-ce que vous faites, Boss et Pink et Gold? Essaie de te rapprocher d'elle, mais on va. T'es quoi, appelle-la, on va la rencontrer. Ça marche. Ok, on retourne en ville, je vais me mettre en tenue et on va essayer de la rencontrer pour ce que je vous ai dit. Ça peut être intéressant. En tenue normale, on y va tranquillement tous les deux. Ah, tu veux qu'on la rencontre en tenue normale? Oui, d'abord juste parler avec elle, voir la cerner un petit peu. Ok, ça va. Ça va être long. Et après, on lui propose. Parking. Vas-y. Ok, c'est le 78. Très bien. Cheveux blancs. Il est pas encore sorti. Ok, messieurs, faites attention aux ventes. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, messieurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais j'ai le listing exact du BCSO, leur numéro de téléphone, etc. Avec tous les noms, prénoms? Ouais. Et ben voilà, un certain Alexandre, est-ce qu'il existe? Je vais te dire ça tout de suite. Et ben c'est lui ton nom. Sur le côté. Ok. Degré, je viens de donner un coup de main sur la revente. Je vais juste changer de tenue et je serai à vous. Oui, c'est un Alexandre Denet. Si vous voulez son numéro, je l'ai. Par dehors, là. Il est officier 78. Qu'est-ce que tu fous là? Aucune patrouille qui parle du BCS au problème. Putain, mais il y a un hôpital ici. Ah, bah oui. Mais c'est trop bien. Oh putain. Tu gères aussi cet hôpital? Ouais, c'est notre. Il y a des employés ici? Bah, si, quand on a besoin, ouais. D'accord. Je peux en envoyer s'il faut. Mais Black, il a fait quoi? Il a violé une chèvre ou quoi? Mais non, c'est l'histoire de véhicule là, de avant-hier. Entends une sirène. C'est fermé. Une klaxon, non, c'est nous, c'est Parkinson qui fait le débit. Oui, bonjour madame, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien. J'ai vu votre tweet. 3 BCSO, vous montez à bord. J'aimerais bien discuter un petit peu avec vous par rapport à ce que vous avez dit. T'es où, Ambre? Ah bah écoutez, avec plaisir. Non, mais est-ce que vous pouvez venir au service? Ouais, reste planqué, on attend. Il sort. Ah bah écoutez, oui, j'arrive. Très bien. Et ben je vous dis à tout de suite, j'étais dans le nord, j'arrive. Ok, pas de soucis. Bah j'arrive à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, va falloir que tu fasses un effort et que tu ouvres cette putain de voiture. Oh, il l'a menotté. Salut. Ouais, le 4x4 s'en va côté route principale. Attends, mais comment ça se fait? Il part du côté ouest, les flics, et Black est menotté, je l'ai vu, lui a mis les menottes, il l'a emmené. Mais attends, mais c'est pas normal, il nous avait dit qu'il voulait pas grand chose et qu'il était libre. C'était à moi de mettre la sanction. Il a dit je viens de le voir mettre les menottes. Je vais aller voir. Vas-y, fonce. Je suis quasiment sûr de l'avoir vu. Ce serait mieux que ce soit Boss qui aille prendre des nouvelles vu que c'est son employé. Ils sont où alors? Attendez, dépose-moi la BCSO, vas-y, j'y vais. Service taxi, Mo, tu peux te. Elle va arriver, hein. Elle va arriver au service taxi. On va prendre la température. En attendant, tu veux que je dépose au BCSO? Ouais, mais tu m'attends, s'il te plaît. Bah, je dirais quand t'attends. Ouais, bien sûr. Il l'emmène où? Quoi, il l'emmène où? Bah, il l'a emmené quelque part ou pas? Non, BCSO, il était dans son bureau, il discutait avec lui depuis 10-15 minutes et je lui ai vu quasiment sûr de l'avoir vu mettre les menottes. Déjà, ça a duré bien trop longtemps leur entretien. En fait, il a attendu beaucoup, il a prévenu personne qu'il attendait. Putain, mais comment on peut faire pour qu'il sorte? Moi je dois voir le chef, donc j'aimerais bien qu'il se dépêche, mais après, je sais pas. T'as son numéro, shérif? Attends, je vérifie. Je crois pas, attends. J'ai beaucoup de contacts. Ah si, je l'ai! Vas-y, appelle-le, dis-lui qu'on l'attend. Enfin, que tu l'attends. Vas-y, je l'appelle. Déjà qu'il me déteste. Véhicule civil qui vient de partir pleine balle du BCSO, il est parti route principale. C'est la voiture du shérif, c'est la voiture du shérif! Ouais, c'est le shérif, c'est le shérif. Putain, ce chien! Il est parti côté est. Emmène-moi au sud. Quelqu'un peut savoir où il va ou pas? Il m'a oublié, ce chien. Il revient. Il est parti de l'autre côté. Ah, il revient. Attends, demi-tour. Ah ouais, mais il m'a dit qu'il arrivait. Demi-tour. Il m'a oublié. Ah, il revient là? J'arrive. Ouais, il m'a dit qu'il m'a oublié. Il revient ou pas? Oui, il m'a dit j'arrive. Attends, je vais aller lâcher une caisse sur Parkinson. Allô? Oui, vous allez bien? Oui, j'arrive. Non, prenez votre temps. J'aurai du retard justement.
Ouais, moi j'étais en rancard, j'allais conclure, la carotte allait bientôt atteindre le potager et je suis voilà. Partie, donc... vous inquiétez, ouais, bah il y aura une personne chauve. Je comprends pas. Vous lui faites un bisou sur le front et il vous dira que j'arrive. Ah bah ça apparemment ça porte chance, donc on va y aller. Voilà, et t'as fait un doigt en même temps au téléphone. Bon, bah tout de suite. Bon, rappelle-le là, faut qu'il revienne vite ce chien, et je sais pas où il embarque. Ah, il était avec dans la bagnole. Ouais. Ah bah il l'a emmené en fédéral, ça se trouve, hein. Peut-être pour pas que... peut-être des comparses. Attendez, vous pensez qu'il l'a emmené en fédéral? Bah il y a moyen, et s'il a bombardé, c'est peut-être pour pas que... Il l'a pas emmené comme ça sans convoi quand même. Ses complices puissent rien faire, tu vois. J'ai pas vu s'il avait quelqu'un dans le véhicule. Une fédérale pour un vol de voiture. Mais ouais, non déjà. Mais attends, à la base il devait rien faire, s'il lui a mis les menottes déjà c'est bizarre. À la base il m'a certifié, c'est à vous de prendre les sanctions en tant que directeur, son directeur, donc il peut rien lui faire normalement. Il voulait juste lui faire 2-3 remontrances. Mais s'il lui a mis les menottes, ça sent pas bon. Ah, c'est que ça cache autre chose. Oula, il a failli nous écraser, hein. C'est bon, il est là. Hein. Non, c'est pas une fédérale. Il a dû le mettre en garde à vue. Il serait pas revenu sinon. C'est bon, il est là. Faut que j'envoie un auto à Monsieur Rose. C'est bon, déstress. Non, mais comme ça, c'est fait. Ouais, mais faut savoir ce qui lui arrive. Bah, t'es là pour ça d'ailleurs. Tu l'auras, bah oui. Tu l'auras ton argent, il va pas s'envoler avec. Bah non. Mais comment ça me casse les couilles ce chien. Ah, mais dis donc, ce serait pas Monsieur McGallaghan. Mais t'es encore là, monsieur. T'es encore là? Bah ouais, j'ai un gros problème, oh, vous pouvez dire... Oh putain, vous avez bien... Tiens, allez, attrape ma main. Merci, je vous remercie. J'espère écouter de la bonne bonne. Vous pouvez dire au shérif que j'attends, c'est très urgent. Très bien, c'est gentil. Ça va? Ça va. Je vous attends, bah. Comment? Tu m'as gagné. Non, t'as bien parti. Ah, vous avez bien. Non, c'est pas ça. Je vais vous permettre, je devais voir monsieur Jameson Clark qui est en haut. Oui, il arrive, il est parti faire un petit pipi justement, c'est pour ça que je voulais vous dire. Dites voir mon employé, il sort quand? Vous m'avez dit c'est une histoire de 10 minutes, il est pas là. Je crois qu'il m'a entendu. Votre employé, il sortira quand il sortira, monsieur McGallaghan. J'ai pas me justifier de ça, non. Mais attendez, mais vous m'avez dit dans 10 minutes, c'est une histoire de 10 minutes, ce parler. Non, je vous ai absolument rien dit du tout, monsieur McGallaghan. Je vous ai dit que votre employé devait venir me voir. Vous m'avez dit ça, monsieur. Bon, peu importe ce que je dis, de toute façon, j'ai pas de justification à vous donner, monsieur McGallaghan. Votre employé sortira quand il sortira. Ouais, mais j'ai besoin d'un employé au service taxi et il est pas là. Eh ben, votre employé sortira pas tout de suite. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et il sort dans combien de temps? Votre employé sortira pas tout de suite. Bon, messieurs, nous sommes à plus de 100K, je crois. Ok, il sortira dans combien de temps alors? Monsieur Clark, je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je viens d'arriver, j'étais faire pipi. Bah, il paraît que vous vouliez voir. Bah, oui, c'était par rapport à hier, vous voulez me mettre en prison et tout, feu de témoignage et tout, tralala. Non, négatif. J'ai eu le gouvernement, ils m'ont assuré que le véhicule était bien un véhicule de. Vous aviez bien une flotte de véhicules et que ce véhicule en faisait sans doute partie, donc il n'y avait pas de problème. Eh ben voilà, parce que bon, vu que vous m'avez donné 48 heures, sinon c'était GAV. Oui, vous aviez 48 heures, mais l'intervention du gouvernement suite à votre appel, hein, je suppose, a eu lieu dans les 48 heures. On va passer une bonne journée en tout cas. Hein. À très bientôt, merci donc, monsieur. Il absolument pas. Je vous en prie, monsieur McGallaghan. Bon, donc je vais pas en prison alors, impeccable. Ah non, tout va bien, j'ai pas de chambre. Non, je suis dans le sud. Je me fonds dans la masse. Bon, c'est compliqué en moto et avec un casque, non, mais bon. Ça dit quoi, boss, du coup? C'est la merde. Il refuse de parler. Je sais pas. On sait pas. Mais c'est pas normal. Vous avez un employé qui est gardé en cellule. On sait pas pourquoi ni combien de temps. C'est ça. Renseigne en tant que journaliste. Vous voulez que j'appelle le capitaine et au pire, je vous donne le numéro du capitaine. Pour non, faut vraiment qu'on sache, les gars, parce que c'est bizarre. Hein, pourquoi il veut le garder? Et il risque de le garder bien longtemps. Hein. Mais c'est quoi? Déjà, il a pas le droit de le garder normalement plus de 30 minutes. Hein, s'il a pas de. Non, mais ça fait déjà 40 minutes là. Ah, mais ça dépend. Mais dis pas n'importe quoi, s'il y a une lourde peine, il peut le garder un jour. Hein. Un jour, c'est fédéral. Il a dû se passer quelque chose dans le bureau, parce que moi, il m'a garanti qu'il le gardait pas plus de 10 minutes, que c'était rien et que c'était à moi de mettre la sanction. Donc là, la version, elle a changé, donc je sais pas, il a dû se passer, peut-être il a dû dire une bêtise. Depuis le début, hein. Peut-être que justement, il voulait pas l'enquêter, etc, je sais pas. Ouais, je pense qu'il lui a tendu un piège, et je pense qu'il serait temps de s'occuper de ses fils d'épaule. Je suis d'accord. Mais on peut pas. Il vient juste de faire de la revente, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Et en plus, on a quelqu'un en GAV, on sait pas comment, ni pourquoi. J'ai été demandé et il a ricané, il a dit qu'il y avait rien à savoir, rien de croustillant. Voilà, et il m'a envoyé chier. Il y a apparemment une Sierra qui est en train de se faire là, ça bouge au SPD au centre. Alors c'est pas une Sierra, c'est une course-poursuite. Ouais, peut-être qu'il découle d'une Sierra. Pas sûr, je crois avoir vu le commandant au volant. Ouais, bah c'est une course-poursuite gagnée pour les bandits, hein. T'as des sacrés yeux, toi. Bah, ils viennent de passer devant moi, donc. Ils viennent même de tourner devant moi, encore une fois. Sacré course-poursuite, hein, s'ils tournent autour du même rond-point. Ouais, hein. Bah, ça après, c'est le commandant au volant. Mais il est si mauvais que ça au volant, lui? Bah, disons que tu le perds assez facilement. Oh putain.
Ah, y a rien qui va entre le nord et le sud, hein, c'est pas possible. Je pense que, à mon avis, Poison sera d'accord avec nous, même si là il est avec la demoiselle. J'arrive d'ailleurs, hein, je suis toujours en route. On va s'occuper du shérif, c'est pas le problème. Mais on attend d'avoir des armes lourdes, et puis on attend de savoir ce qui se passe pour Black aussi. Parce qu'oubliez pas qu'on peut pas rentrer dans le BCSO en tirant et en criant liberté. On peut faire une manif. Ouais, pour lui dire qu'on était un groupe soudé. Exactement. Bon, messieurs, nous sommes à syndicat. Ok, et bien. Ça y est, t'as fini toute la vente ? Non, il me reste encore 100. Et on s'est reparti. Fais-le, comme ça on peut acheter deux armes lourdes. J'arrive, Poison. En espérant qu'il trouve de la bonne et qu'il me la rachète très très cher. Ouais, deux armes lourdes et on sera à 3. Oh là, il y a une voiture qui fait un demi-tour rapide là. Pour avoir vu Poison avec une calache dans les mains, faut lui en donner une. Hein. Parce que s'il y a bien un truc qu'il sait faire, c'est manipuler la calache. Ah, les gros engins, ça le parle. Hein. Ah, ça, les grosses cartouches, il aime en prendre. Hein. Et lui, il aime en mettre. Il aime en mettre. Nouvelle loi de la ville, si vous avez un revolver sur vous, vous êtes obligé de porter un holster. Il n'y a que le pistolet SNS qui est rangeable dans les poches. Ah, j'ai halluciné. Ah, c'est celui-là que j'ai. Ouais. Bien. Et il tient dans mon boxeur aussi. Hein. Et le holster, ils ont mis la référence. Ouais, il est plus gros que mon pénis, donc tranquille. Ok, 4-4 BCSO qui parle de mon côté. Merci, chef. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, vous ? Oui. Johnny a jamais dans notre cœur. Hein. Oh, ouais. Si tu savais. Voilà, putain, tu connais, toi. Ah, putain. C'est bon, nouveau, c'est ça ? Monsieur. Non, c'est la dame là-bas, c'est une nouvelle, elle est venue sortir avec. La dame ? On a une nouvelle, elle est où ? Elle est dans la voiture, c'est pas vrai. Ah, très bien. Ah, il a fait sa connaissance. Et ce monsieur ? C'est monsieur, j'ai demandé de repasser demain avec un CV. Très bien. Tu fais quoi là, Ambre ? Tu es en route pour chez toi ? À demain. Ouais, là je suis devant, là j'attends un peu parce qu'il y a mes voisins qui paraissent être du LSPD. J'espère que l'odeur dans mon coffre va pas remonter jusque chez eux, mais bon. Bah, j'ai bien signifié, faut pas la bise se faire une odeur. Ça serait bien qu'elle arrive un jour. Oui, il y a autre chose. Ah oui, attendez quand même, vous faites une réflexion, vous me dites pas venir. Non, mais là faut venir par contre. Il y a autre chose. Ah, mais vous. Ah oui, j'arrive, deux secondes. Il y a de la grande chat. Ouais, bah écoutez, je suis pas à votre disposition. Allez, dépêchez-vous. A tout de suite. Bon, allez, c'est maintenant. Tu veux que messieurs, je t'appelle messieurs, juste quand vous prenez le service, mettez un petit tweet s'il vous plaît. Ça coûte rien et ça insinue les gens à venir. En gros, j'ai peut-être des conneries autrement, mais là, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, calmez-vous un peu. En gros, on était en entretien à la BCSO. Il devait lui faire juste une leçon de morale. Et on sait pas ce qui s'est passé dans le bureau. C'est parti en couille, il lui a mis les menottes et là, on n'est pas prêt de le revoir. Wow. Et il veut pas nous dire. Donc, est-ce qu'il a été piégé ou autre, on n'en sait rien. Oh putain. Par contre, niveau argent, ça monte très vite. Donc, on va bientôt te remettre une petite AK dans les mains, si tu vois ce que je veux dire. Niveau argent, quoi ? Notre place ? Non. Faut que je récupère tout ça d'ailleurs. Bonsoir, regarde. Bonsoir, vous allez bien ? Écoutez, ça va super et vous ? Ça va très bien. Vous avez comment déjà ? Ivy. Ah, Yves. Oui. Pourquoi tout le monde m'appelle Yves ? C'est quoi votre nom alors ? Ivy. Bon, appelez-moi Yves, on s'en fout. Appelez-moi Yves. Ça monte ma testostérone. J'ai une petite question à vous poser là, vite fait. Eh, patron, en fait. Est-ce que vous avez peur dans la vie ? Ah non, pas spécialement. Ah, le test, s'il vous plaît, silence. La seule chose qui me fait peur dans la vie, c'est les chenilles. C'est les chenilles, d'accord, ok. Est-ce que vous feriez quoi pour de l'argent ? Beaucoup d'argent ? Pour beaucoup d'argent, j'ai aucune valeur. Enfin, si, pour celui qui me paye, mais j'ai pas de limite. Et en fermant. Bien sûr, vous en fermant sa gueule, comme il dit. Généralement, quand vous abordez de cette manière-là, de mon expérience, c'est que si je fais de la merde, il y a moyen que je finisse au fond de l'eau, quoi. Ou alors au fond d'un parking, ou en quelque sorte. Au fond de quelque chose, quoi. Ouais, au fond. Et pas dans le bon sens du terme. Pas le sens au fond qui peut faire du bien, vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ouais, on voit très bien, nous. On voit très bien. Vous aimez bien. Vous avez pas envie d'aller au fond des choses, quoi. Oui, non, on va dire ça comme ça. Nous, on aime bien aller au fond des choses. Bon, écoutez bien. Ah oui. Vous avez l'air sympa. Depuis quand vous êtes détective privé, là ? Bah, disons que qu'à l'époque, j'étais déjà, mais avec des options. Et puis, entre temps, je me suis dit, putain, Ivy, t'es retombé dans la cam et tout, faut que tu te reprennes en main. Donc, après avoir enculé quelques personnes de cette ville, j'ai repris mon activité principale d'une manière un peu plus détournée. Ouais, t'es parapeuse. Vous étiez parapeuse. Ouais, j'ai fait quelques musiques, quoi, mais c'est claqué au sol, on va pas se mentir. Je peux vous poser une question aléatoire ou pas ? Oui. Pour combien vous embarqueriez quelqu'un ? C'est juste c'est-à-dire une question comme ça. Je le charme, tout ça ? Pour combien d'argent vous embarquez quelqu'un ? Pour combien ? Embarquer, c'est-à-dire ? À votre manière, j'en ai rien à foutre de comment vous faites. Que vous charmiez, que vous montrez votre cul ou pas, c'est pas mon problème. Pour combien vous embarquez quelqu'un ? Alors, attendez. Laissez-moi réfléchir. Sachant qu'on peut peut-être rajouter un petit quelque chose avec l'argent. Alors, attendez. Donc déjà, si on prend le malus, est-ce que c'est un malade mental ou pas ? Non. Mais c'est un con. Ah putain de pute. Bonne salope. Que si vous voulez que je l'emmène quelque part, c'est qu'il est pas très gentil, quoi. Ok, donc je dirais... De toute façon, je m'en occupe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence qui doit être faite. Non, mais par contre, vous devez lui retirer tout ce qu'il a sur lui. Potentiel d'armes, radio...
Mais pour qu'il m'écoute, faut que j'ai un moyen de pression. Hein, comme un petit couteau sous la gorge, ou alors un, oui, un non, petit non, marteau. Mais oui. Vous me dites pour combien et pourquoi. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quelque chose, on vous le donne. Mais dites-moi pour combien vous embarqueriez quelqu'un. Bah, c'est juste une question comme ça, de culture générale. Pour combien? Sachant pour la prise de risque, je dirais un petit 10 000. 10 000 eh. Bah, vous seriez prête à mourir pour 10 000 balles? 10 000 dollars. Ah, mais moi, j'en sais rien, j'ai un petit rancard, après on sait jamais. Ouh là là, des naissants, monsieur, me sont tombés dessus, c'est terrible, il a disparu. Je sais pas où il est, je sais pas quoi faire. Les cobalt, oui, t'en ou es où, Ambre? Ouais, j'entends bien, j'entends bien. Après, bien sûr que si c'est des plus gros risques, parce que je ne connais pas la situation, on peut PDG augmenter. Taxi et puis un petit calibre avec, ça serait pas mal, quoi. Taxi. Bon, bien sûr, après vous faites vos trucs, moi ça me concerne pas. Hein. Donc 10 000 balles. Bah, s'il n'y a pas trop de prise de risque, oui, sinon on peut augmenter. Ok, alors admettons la prise de risque est maximum. À combien vous demanderiez maximum? Soyez raisonnable. Prise de risque maximum? Ouais, admettons. Ok, c'est-à-dire que le mec, il fait partie d'une mafia, et il peut retrouver toute sa famille et me buter. Oh oui, on va dire ça comme ça, évidemment. Bah, je dirais quand même, là on va quand même monter à un petit 60 000, quoi, histoire que je puisse prendre un billet d'avion, ensuite partir du pays, vous voyez ce que je veux dire, prendre des. Voilà. Ouais, j'entends bien. Ah, les tarifs sont les tarifs. Ambre, tu es là? Non, mais c'est. D'accord. Et 50 000, ça vous dirait quelque chose? Ah, bah oui, ça me plaît bien, ça. Donc apparemment, la prise de risque, elle est quand même là, quoi. C'est bizarre, je viens de l'avoir au téléphone. Non, c'est juste une question. Ouais, il m'a envoyé un message, réponds radio contre ouais. temps. C'est juste une petite réponse. Très bien, on a tout ce qu'il nous faut. Patrouille, et vous êtes des BCSO qui parle du BCSO. Oui, totalement. D'accord. Disons que j'ai un passif un petit peu plus tumultueux, mais à l'heure actuelle, oui. Avec le shérif, d'ailleurs. Ok, je vais vous poser une qui dernière question. Un autre véhicule ou qui prend le même? Imaginons un groupe, pas nous, hein, d'accord? Shérif, secteur oui. Un groupe de mafieux ou autre, bref. Un groupe souhaite vous rencontrer pour vous proposer oui. cette mission. Vous le feriez ou pas? Ah non, quand le contrat est signé, le contrat est signé. Et vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout du contrat? Vous savez, j'ai signé l'Omerta un jour dans ma vie, hein, donc... Vous avez créé des problèmes dans cette ville avec des gens ou pas? Oui, avec les bikers, ces connards, j'ai voulu, enfin... Bah, non, bon, parce qu'en fait, pour être très honnête avec vous, il y a des gens qui nous ont parlé de toi. Et qui m'a retenu la jambe. Et déjà, qu'ils ont parlé de moi? Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, si un groupe te contacte, en est-ce qu'on peut ça, faire quelque chose pour eux? Pink, j'ai... Mais ça dépend si c'est par exemple vos concurrents, si j'ai signé le contrat avec vous avant, non? Non, justement, c'est pas mes concurrents, on les connaît pas, nous on a pas de concurrents, ouais, vous savez, bah, on les connaît t'inquiète pas. Pour leur non, mais dans la situation, par exemple, vous voulez que je capture quelqu'un, qui n'a plus ou moins, ou peu importe. Une fois signé, c'est signé, quoi. Et du coup, un autre groupe veut, en gros, que je fasse la même chose avec vous. Bon, je reste en radio. Si c'est signé, c'est signé. Ma route, je suis en partant. Vous la mettez pas à l'envers, jamais. Shérif, équipe civile qui part du BCSO. Ça. Avenue principale. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien, mademoiselle Yves. Ah non, je suis une grosse pute. Hein. Et il part côté. Non, mais côté vous avez l'air d'être une grosse pute bien quand même, mademoiselle Yves. Bah, disons que oui, j'ai des principes au sujet de certaines choses. Mais bien après, sûr. Oui, je marche dans mon intérêt. À partir du moment où je marche seule, c'est toujours dans mon intérêt. Après, je reste droite quand même. D'accord. Si un groupe. Vous propose quelque chose sans poser de questions pour 50 000, vous le faites? Écoutez, sachant que j'ai fait ça pendant 2 ans, oui. Attendez, pendant 2 ans, vous avez kidnappé des gens? Ça dépend, peut-être que je vous parlais un petit peu plus de moi si vous me parlez un petit peu plus de vous et de ce fameux contrat. Bah nous, on n'a aucun contrat, nous, on est juste taxi, encore une fois, c'est juste qu'un groupe m'a parlé de vous. Ah oui. Apparemment, vous avez l'air d'être. On a déjà eu affaire ensemble, hein, souvenez-vous. Hein. Vous avez oui. l'air d'être quelqu'un de pas très. Pas très fut-fut, mais pas très conne non plus. Vous voyez ce que vous je veux dire? Vous savez, quand les gens pensent que vous êtes conne, ils se méfient pas. Hein. Exactement. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est très intéressant. J'ai une question pour vous. Quel groupe vous a parlé de moi et pourquoi? Entre 20 000 et 30 000. Vous savez déjà tout ce que vous avez à savoir. Ok. Intéressant. On a de quoi acheter 2 jetons. Bon, je pense savoir du coup, mais. Ah, bon, mercredi, les gars. Vous pensez à qui, dites-moi? Si vous trouvez du premier coup, je vous dis oui. Je dois être vert et il parle comme ça. Ouais, mec. Ah, madame est fut-fut, hein. Madame est fut, mais c'est pas ça. Ah bah putain de merde alors. Mais vous inquiétez pas, on sera peut-être amené à reparler un petit peu plus tard. Vous travaillez ou pas, madame, en attendant? Comment? Vous travaillez ou pas? Bah, je fais un peu de tout, quoi. Ouais. Et là, votre truc de détective, y a des gens qui vous ont missionné? Ouais, mais c'est des trucs bancals, enfin, c'est pas un truc concret, quoi. Ouais, j'entends bien. Très bien. Eh ben écoutez, en tout cas, merci. C'est quoi vos disponibilités en ville, madame? Bah écoutez, je suis là tous les jours, un jour sur deux, ça dépend. Généralement, un jour sur deux, vous savez, j'ai une soirée bien remplie, je me repose, et une soirée bien remplie, je me repose. Je vais un peu comme un pachyderme. Un pachyderme, d'accord. À part, par contre, qu'effectivement, tu sais c'est quoi, si un j'ai pachyderme, un... Un truc qui ressemble à une couille. Exactement. Après, donc, si j'ai un boulot qui me botte, je vais me donner plus, c'est logique. Tu sais c'est quoi des bottes, moi? De quoi? Tu sais c'est quoi des bottes? Des bottes, ouais. En tout cas,
la note intéressante, c'est que le shérif, je l'ai vu sortir uniquement avec son véhicule banalisé, bon, bah, très bien. Pas d'autres véhicules. Très bien, bah écoutez, vous savez quoi, c'est une habitude qui va lui coûter cher. Plus tard. Oh, oui, ok, sûrement. Pas de souci. Bah écoutez, merci beaucoup. Vous avez recontacté Monsieur Jameson ou pas pour devenir une star? Non, je l'ai pas contacté, non. Vous savez que vous pouvez le payer pour faire une annonce pour votre truc de détective à la con, hein. Vous savez qu'entre temps, j'ai toyé un appart d'un démon, j'ai exorcisé aussi. Bien messieurs, je vous donne un coup de main sur le dernier tour. Ah, bah, bonne soirée, hein. 4 vaisseaux prépris, le chemin de terre qui part côté ouest. Sérieux, lui? Il a dit quelque chose. Dit que sortait complètement en code. Et deuxième véhicule de patrouille qui part. On lui propose 35 000 et 10 pour Sean Coke. Ouais, juste un message. Ouais, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ouais, Radio, on était en train de parler à cette soi-disant détective. Ouais. Ça m'a l'air fiable. Ça, c'est à Poison de décider de nous dire ce qu'il en pense. Ça m'a l'air totalement fiable. Je pense qu'on peut lui proposer un truc où elle sera payée uniquement si le contrat est fait. Et je pense qu'on peut en tirer un petit 35 000 avec un peu de drogue. Et elle peut nous l'embarquer et nous le fournir à poil. Pourquoi on le fait pas, nous? Parce que ça vaut le coup d'essayer sans prendre de risque, tout simplement. Si ça marche, c'est tout bénef. Ah bah oui. Si ça marche, c'est tout bénef. On aura perdu 35 000 balles. Mais en attendant, on n'aura pris aucun risque. Et si ça marche pas, c'est elle qui est morte. Bah non. Son but, ça serait juste de nous l'embarquer à un lieu dit. Poison, tu réfléchiras à ça, tu nous en diras des nouvelles? On dira ça demain. Voilà. Moi, je vais rentrer à l'hôtel, t'as ça. Ça roule. Messieurs, petit point de drogue, s'il vous plaît. Bah, la drogue, c'est mal. Ouais. Voilà. Quoi d'autre? C'était son dernier tour. Ouais. Il devrait rapporter dans les 30 000, je crois, si je ne m'abuse. Très bien, ça. Pour Black, on a des nouvelles? Toujours 11-11. Ambre, il est plus là. Non, on n'a pas. Ambre, tu es là? Non, il est en train plus là. Okay. Souffre, il est là? Ouais, je l'ai croisé sur l'autoroute. Ouais, c'est bizarre, il n'y a plus personne. Ouais, on fera, je récupère l'argent demain là. Ah, peut-être un mal de crâne. Souffre, Ambre. Attendez, j'essaie de les appeler. Je suis là, vous m'entendez pas? Ah, t'es là? Non, t'entendais pas. Ah bah si, je suis là depuis tout à l'heure en fait. Ah, excusez-moi messieurs, un petit souci, comment on pourrait expliquer, une voiture est tombée du ciel, elle m'est tombée dessus. Oh, c'est cocasse. Ouais. Dis-moi, tu peux passer l'argent s'il te plaît à un poison? Bah là, je peux pas, j'ai pas fini. Non mais quand t'auras fini. Ah oui, oui. Tu lui envoies un petit message et il s'en occupe, d'accord? Par contre, s'il veut acheter les armes, c'est pas tout seul parce que beaucoup de monde le connaît. Non, je vais stocker. Voilà, ouais. Ok, bon bah très bien. Je vais stocker, il me faudrait une nuit de toutes les armes qu'on a. Ça, je saurais qu'est-ce qu'on devrait acheter. Je crois qu'il y a Ashley Grayson et O'Dwyer qui arrivent au BCS. Il y a un second avantage à utiliser cette meuf si jamais elle arrive à le choper. C'est qu'on n'aura pas besoin d'avoir d'armes lourdes, juste des pistolets, ça nous suffira. Et vu que c'est ce qu'on a actuellement... Attendez, mais vous l'avez rencontré et vous lui avez parlé de ça en civil? Oui, mais on n'a pas parlé de ça. On a juste dit qu'un groupe nous avait parlé d'elle et on lui a demandé qu'est-ce qu'elle ferait, pour combien d'argent, tout simplement, de quoi elle serait capable. Le shérif vient de revenir au BCS. Et en gros, elle veut impérativement se faire de l'argent, elle est prête à tout et une fois le contrat signé, c'est signé. Il n'y a pas de raison qu'elle la mette à l'envers. Je lui ai fait genre, on verra plus tard et puis voilà. Il faut combien de temps environ là, Ambre? Je te dirais bien 20 minutes. 20 minutes. Le temps que je rentre tout, le temps que je revienne. Ouais. Quel est très qu'il la goûte, après il les pèse, etc. C'est un sacré bordel. Monsieur, vous allez bien? Ouais. Pour la fille, là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la tester? Désolé. En lui demandant de choper l'un de nous. Je crois que j'arrive en retard. Ah, pour les entretiens? Oui. Est-ce qu'on cherche encore des employés? Attendez. Je réfléchis. Un seul, merde. On en cherche un seul, mais le co-directeur est pas là, je crois. Donc, au pire, on mettra un petit message à ce moment-là. Quelqu'un s'en occupe ou je peux le prendre? Ça me va. C'est bon, tu peux prendre taxi. Je le prends. Et bah, très bien, bah, très vite, monsieur, au revoir. Sirène dans le nord, côté BCSO. Vous vous souvenez quand on a eu affaire avec un groupe de japonais? BCSO de retour au. Oh, ça date, avec ça. Les sirènes, ouais. BCSO. Ouais, je me souviens, ça. Ouais. Mec, qu'on a buté, ouais. Ouais. Bon, bah là, y a un yakuza. En tout cas, il ressemble à un yakuza. Il a le même style vestimentaire, même gueule que le cheval. Je vais voir s'il est tout seul ou s'il est en groupe ici. Excusez-moi monsieur, j'ai juste une petite question, j'en ai pour deux minutes. Vous êtes tout seul en ville ou vous êtes accompagné? Disons qu'on est en famille. Ah, vous êtes en famille. Moi je vous laisse, bonne soirée. Oui. Je récupérerai l'argent demain. D'accord, okay. Et vous êtes le seul à chercher du plomb? Ouais. On est à toute ma femme. Ok. Tu l'as juste chez toi, demain je passerai. D'accord. Dès le début. Voilà, bah c'était juste. Ou dans l'après-midi. Bah, écoutez, dès que je remets, allez voir le pôle emploi et puis essayer de venir à temps. Et puis on voit ça. Dès le début où nous on arrivera. Non, ça va, ça va, okay. Ou alors je passerai dans l'après-midi, c'était là. Messieurs, il est venu en famille. Bonne soirée. Il est venu en famille, donc il y a une famille de japonais.
Après, la ville est grande, il n'y en a pas qu'une. De toute façon, il n'y a pas qu'un japonais, il n'y a pas qu'un con qui est japonais dans cette ville. Bon, allez, messieurs, je vais y aller aussi, vous avez plus besoin de nous? Ouais, non, c'est bon, là, je termine la truc. Si Cobalt est toujours en place, c'est parfait, pas besoin de plus. Ouais, je suis en place, il y a le shérif qui est revenu. Il est visible, Cobalt. On se voit très vite et on va réfléchir pour la suite concernant le shérif. Affirme, de bois côté une antenne. On est tous d'accord pour dire qu'il faut le buter. Une antenne ou d'un transfo? Mais par contre, pour Black, vous avez des nouvelles ou pas? Non, il est pas sorti. Une antenne ou un transfo, Greg? Ça, c'est embêtant, ça. Déjà, c'est sûr, il avait pas son arme sur lui parce qu'il l'a posé au coffre. Ouais, mais il a dû être piégé, je pense, par le shérif. Oui, non, mais le problème, c'est que je vous rappelle qu'il est quand même mon coloc. Il est quand même mon coloc, donc s'il va en fédé, il y a peut-être suspicion de fouille dans l'appart, donc faut tout déplacer. Hein. Non, mais dans ces cas-là, tu envoies un email d'urgence au chef et il viendra, d'accord? Ah ouais. Allez, messieurs, je rentre à l'hôtel. À plus tard, messieurs.